Hier, j'ai remarqué que le son du PC était un peu fort, donc j'ai essayé de le baisser. J'ai l'impression que les volumes se sont un peu remis à zéro. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça change le volume petit à petit. Donc, démo. J'en ai rajouté quelques-unes à ma liste. Parce que j'avais pas fait le tri quand le Steam Fest était lancé. J'en ai pas rajouté beaucoup. Et j'ai viré celles qui avaient pas de démo du coup. Il y en avait une qui devait avoir une démo, qui est indiquée comme ayant une démo, mais qui a pas de démo. Et j'ai un peu regardé les développeurs publishers. C'est tous des jeux qui coûtent 70 centimes et qui ont l'air d'être. Je sais pas, ça a pas l'air très sérieux. Donc je me suis dit, c'est pas grave si je skip. Bref, je vais commencer par. Là, j'ai un truc devant moi sur Steam qui est Boxes Lost Fragments, qui a l'air d'être un peu comme The Room. Et donc je vais commencer par ça. Désolé, Spelunky. Hop. Et c'est ici. Hop. Non, c'est bon. Ouais. Moi, niveau son, ça a l'air bon, et de ce que je vois, les volumes, ça a l'air ok aussi ici. On va tenter comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je peux l'avoir en grand, s'il te plaît? Voilà, c'est mieux. C'est plus flou. Borderless, très bien. Eye, off. On va mettre sur on, parce que j'ai toujours un peu peur que les démos soient pas optimisées et puis me balance 8000 frames. Jouons. Cryptic Chest. Steam and Secret. Ok. Clic gauche, clic droit, ça fait la même chose. Middle click aussi, on peut pas zoomer, dézoomer. Qu'est-ce qui se passe? Je veux pas de hit. Et ça, c'est de l'option qui a rien de spécial. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Ok, donc on est vraiment comme dans The Room. Est-ce qu'on peut. Oui. On dirait qu'ils m'ont débarrassé de l'autre truc. Ok. Carré, rectangle, rond, triangle. J'imagine que c'est une clé. Ok, clic droit, ça revient en arrière. S'il y a un timing, mettre quelque chose dedans. Ok, la pile a l'air normale. Un objet. Ah, on peut pas l'ouvrir. Quel genre de tool est-ce que c'est? 4 carrés en bas. C'est genre comme un. Piston, mais pas vraiment. Ça fait rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Est-ce qu'on peut. Oups. Ok.
C'est joli en tout cas. Il y a un. C'est à moitié un homme, à moitié un robot. Et là, j'ai vu qu'il y avait. Ouais, ça. Pourquoi je peux pas ouvrir? Sûrement pour ça. Ah, je connais ça. Ok. Donc le verre, il vient tout à droite. Hop là. Non, c'est pas bon. Vert. Ah, mais non, c'est pas bon. Par contre, il va dans la fente ici, sûrement. Chouing. Ah, ça on connaît. Oups, à chaque fois. Ok, donc là, on veut ça. C'est assez instinctif tout pour l'instant. Est-ce que... Oui. Dans l'autre sens ici. C'est un peu bizarre ça. Oups. Oh. J'avais oublié la clé. Hop là, ici. Puzzle piece, un espèce d'encornage. Est-ce que j'ai vu ça? Ça me dit rien. Ça c'est fait. Ah bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Où vous tournez? Ok, donc il faut choisir le truc. Donc sûrement ça. Et donc ça. Et donc ça. Oh. D'accord. L'extérieur qui tourne. Du coup, ce que je veux, c'est déplacer chaque truc. Si là je le déplace d'un, normalement c'est bon. Ça correspond. Yes. Du robot. Ok. Alors, commençons par toi. Petit engrenage. Je peux rien faire avec. Ok, je reviendrai. Il y avait un disque dans le chapeau. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous? Oui. Ah, ça c'est un classique. Hein. Faire tourner un truc pour pouvoir tirer un objet dedans. Ah. Non, pas du tout. J'aime bien ça aussi. Ok. On a encore des couleurs. Est-ce que ça marche aussi ça? Non. Donc je prends une couleur là-dedans comme ça. Ouais. Donc le vert, je veux qu'il aille ici. Sûrement.
pas vraiment de puzzle là en fait. Je me suis dit ouh ça va être compliqué mais non il suffit d'inverser petit à petit. Il y a peut-être un ordre ou quelque chose mais ça m'étonnerait. Devient une maison. Donc, clairement c'est fermé. Il y a l'air d'y avoir une encoche au-dessus. Il faut un tournevis. Oh, il y a une photo. Locomotive. The price of your actions will be paid. Pas vu, ouais, mais ça y a rien. Qu'est-ce que c'était, toi? Donc, grenade. Ah, c'était pas ici? Si. Oh, j'aime bien ça. Un badge. Allez, il y a un bout en métal là, tu peux. Ah, non, c'est bon, je vois. Oh, quoique. Non. Non, pas du tout. Pour l'instant, il n'y a pas eu de trucs comme dans The Room où il faut regarder un petit côté de la boîte. Il y a genre un petit levier caché ou quelque chose. Ah, toi, je t'avais pas vu. Bon, il était visible en plus, il était bien brillant. On a donc le tournevis. Ah, pas besoin de tourner. Un deuxième badge. On le combine? Non. Qu'est-ce que je peux bien faire avec deux badges? Qu'est-ce que je peux bien faire avec deux badges? Il n'y a rien là. C'est un peu bizarre cette lumière. Est-ce que vous voulez un badge? Genre on dirait que si on le retourne comme ça, ça pourrait venir là. C'est un triangle quoi. J'entends un bruit. Ça tape. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a rien fait avec ça. Alors, c'est complètement inutile. C'est sorti. J'imagine que ce sera la fin. L'intérieur en fait j'avais pas fait gaffe. Il y a le mur là ici, il est pas pris en compte et il y a des rails dedans donc j'imagine que ça va s'ouvrir et puis révéler une gare. Il faut pouvoir l'ouvrir. Bon, on va tenter les indices.
Joint. D'accord, je m'attendais pas à ce genre de hint. Oh, bah d'accord. Ah oui. J'aurais pu chercher longtemps. Oh, y a pas la locomotive de l'extérieur. Pour l'instant, il y a beaucoup de puzzles type aligne tout. Alors c'est satisfaisant de voir des trucs tourner comme ça et tout, mais... On pourrait être un peu plus créatif. Oh, un wagon et... Je suppose. Ouais. Toi, tu vas en bas, en fait. Ok. Toi, tu iras en haut ensuite. Enfin, en bas, je veux dire. Mais tu attends en haut. Hop. J'ai l'impression que c'est un puzzle qu'il y avait dans The Room. Et bim! Une autre tête. Une autre tête. Ça a l'air d'être le logo du jeu. J'ai même pas fait gaffe. C'est pas mal et tout, mais c'est un peu bizarre de pas avoir de lien. Genre dans The Room, tu ouvres une boîte et puis tu passais à une autre boîte qui était dedans et tout ça. Il y avait un peu une... C'était un peu guidé. Là, on dirait que c'est plus des... C'est plus en retrait. Mais c'est sympa. C'est efficace, un peu simple. Ça bouge bien. Donc c'était Boxes Lost Fragments par Big Loop Studios, édité par Snapbreak. Ah, c'est ceux qui ont fait Doors Paradox. C'était un peu le même genre, sauf qu'il fallait ouvrir des portes. J'avais fait la démo de ça, c'était joli. Mais pareil, c'était un peu simple. Et a priori, un autre jeu de type aventure avec des puzzles. C'est bizarre parce que ça date de 2016, mais c'est un aspect très rétro. Bref, c'est un studio qui aime bien faire ce genre de jeu. Pom, pom, pom. Le publisher. Publisher Snapbreak. Ils font aussi des escape rooms et des trucs comme ça, on dirait. Far Away, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Bref, sympathique. Désinstallé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah oui, j'ai vu des gens parler de ça. Mr. Sun's Adbox.
Comme quoi, c'est un roguelike de plateforme qui rappelle un peu Spelunky et qui a gagné quelque chose à l'IGF, je crois. Ou alors que. Je sais pas s'il a gagné ou il a été finaliste. En design. Sauf que je l'ai pas téléchargé. Mister Sun Adbox démo. Télécharger. J'ai oublié de le télécharger. Hop. C'est pas très gros comme jeu. Je le vois toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah si, il est là. Mister, c'est un M le début. Oh, 2 secondes, 2 secondes. Ça me stresse les jeux qui se lancent d'un coup. Alors. Ah oui, a priori, il y a pas mal de multi, mais c'est aussi en solo. Plein écran, post-traitement, je sais pas ce que c'est. Je fais du screen check. Petit stick gauche, ok. Nouvelle partie. Nouvelle partie. D'ailleurs, traduction française, c'est assez rare pour les démos. Lâche le colis. Avec la gâchette, ce qui est pas mal vu qu'on peut viser avec le stick aussi. Et évidemment, bouger le stick et sauter avec A, c'est pas évident. Par contre, pour les sauts plus précis, c'est un peu plus dur à la gâchette. Ouais. J'ai encore baissé un peu le son. Ok. Sorti. Enlevé. Avec ça. Parfait, je vois pas de munitions. Ah, si, d'accord. Capturer. D'accord.
peux aussi capturer le flingue. Ok, c'est MGS. Unité en vie. Ok. Ah, j'ai perdu ma casquette. Livraison garantie. Ça, c'est du service de livraison. Bienvenue dans votre base opérationnelle. Ma phobe. J'ai besoin de deux salles supplémentaires pour démarrer le banquier. Les locaux de personnel et la réserve. Ok, réserve. Et la caisse mission pour envoyer vos unités sur votre terrain. Flingue 10 XP, neutralisé, château, bibliothèque, 180 d'or, afficher les détails, or, c'est de l'or en barre. Pistolet tout bête. Je veux de l'or, moi. D'accord, donc c'est des missions comme ça. Pourquoi ils ont autant de trucs? De vos unités car elles peuvent influencer forcément. Donc, il peut pas avoir d'arme de corps à corps. Il peut avoir un chapeau par contre. Oh là là. Et camoufle-toi. Et prends un flingue. Ah mais c'est moi qui joue du coup. Sur l'arc. Ok. Capture le chapeau bouquin. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une caméra. Ramasse le corps. Lance le corps. Ramasse le flingue. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un bureau. Ah, y'a plus de bureau. Oups.
sais pas pourquoi j'ai perdu mon chapeau à cause de ça. Pile de livres. Renvoie ça. Ah, j'ai plus de ballon. Ah oui, c'est marqué en bas à gauche. C'est peut-être mieux d'avoir un flingue, mais bon. Fusil à pompe. Je crois que j'ai tué quelqu'un par hasard. Oups. Mort. Je vais récupérer ce... Bah. Ah. J'ai atterri dans la marmite et ça m'a stun. Ah ouais, c'est toi que j'ai tué par hasard en fait. C'est quoi ça? Personnage peut level up. Je vois pas le texte. On peut construire de nouvelles salles, infirmerie, prison. 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 C'est quoi deux? Je ne sais pas. Ah, j'ai deux prisonniers, tout simplement. Ici. Qu'est-ce que ça fait ça? Renvoie les balles. Et ça, c'est plus fort que l'épée. Ok, super. Cerveau. Personnel. C'est cher, eh. On va quand même le soigner, mais c'est cher. Mission. Ça, c'est une mission de l'histoire, je suppose. Les ennemis ne les assomment pas. Faire des PV en respirant de la fumée. Balles disparaissent de l'écran. Tu te fais assommer par les balles, tu vois pas très loin. Casse tout. Se faire blesser par les chocs qui devraient l'assommer. Ok. Bonne chance. Choisissons un chapeau. Protège la tête. Ouais, le flanc de base, c'est bien. Et j'ai 3 ballons. J'allais dire que c'est zoomé bizarrement, mais oui, c'est parce que mon perso il va pas très loin. Alors ça, c'est le casque qui... Ouais. Oups. Ah bah super. Tu meurs. Aïe. Ah. Par balle.
Oups. Je te capture. Parce que tu t'es bien battu. Là. Non, non, non. C'est pas ce que je voulais. Pistolet plein. Ce que je faisais, c'est j'essayais de tirer en rebondissant contre le plafond. Ça avait l'air de marcher, mais c'était un peu limite quand même. Je crois que c'est comme ça qu'il m'a entendu, le gars. Est-ce que je peux? Non. Tout à fait. Je vais essayer de m'infiltrer. Il est protégé. J'ose pas lui sauter dessus, mais en même temps, il a un bouclier. Ouais. Vite avant qu'il se réveille. Ah bah, c'est lui. Oups. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! Parce que c'était que la baguette. Je vais trouver un fragment de carte, obtenez en doute pour débloquer une case royale. Une case royale. Centre de recherche. Ok, je suis niveau 2, je peux débloquer ça, mettre en évidence les objets nécessaires aux recherches et aux contrats, permettant pas d'apporter 2 ballons supplémentaires, 2 jours 150, 2 jours 300, plus de ballons. Problème, j'ai plus de thunes. Juste assez pour eux. Qu'est-ce que tu fais toi? Ouais. Faire pas son or en mourant. On est plongé dans l'obscurité. Panique quand il tue quelqu'un. Ah lui c'est encore pire, il tombe dans les pommes. Faire son arme à feu. De ramasser les corps. Par contre, il est fort avec les thermos corps à corps. Sans tenter lui. Voilà. J'ai une thune. Là, j'ai personne. Ah si. Ouais, voilà, je suis obligé de l'enlever de sa tâche. Alors, tu vas prendre un arc et une flèche. Et comme chapeau, un truc qui renvoie les balles. Ah, je dois le kidnapper. Flubber.
je dois kidnapper lui. Ouh. Pas dans tous. Mon truc, c'est pas que je me fais. Ah, c'est par les caméras, juste. Okay. J'ai pas encore vu de caméra. T'as quoi, toi? Coussin Peter, je crois, sur la tête. Salut Vince. Comment on va? C'est Spelunky 3. Oula, oula! Il m'inquiète, lui, avec son épée. Ça va, ça va. Ok, je peux récupérer mes flèches. Je vais tenter de sniper lui. Ni vu ni connu. Ok. Lui, il se doute de rien. Et hop! J'avoue que la musique est cool. Et donc là, ce que je peux faire, c'est, tu vois, il y a un cadavre, et il y a une grande épée, et je fais hop! Et... Quoi? Ah mince, je me suis trompé. Ce que je voulais faire, c'était prendre mon arc, voilà. Bon, j'ai plus de flèche, mais c'est pas grave. Et maintenant... Pourquoi je peux pas? Attends, te tue. Tu viens là. Ok, voilà. Grande épée, bim! Et hop! Ça va à ma FOB. Lui, je dois le kidnapper, donc il faut que je lui saute sur la tête, mais il a un coussin péteur. Bon, a priori, c'est pas très grave. Hop là. Mission accomplie. Oula. Continuer de fouiller parce qu'on sait jamais. Oula, c'est quoi ça? C'est une tourelle? J'ai un peu peur. J'ose pas tester. Après, je renvoie les balles. Bon, je renvoie pas les flèches. C'était effectivement un piège à flèches. J'ai gardé l'arc parce que c'est pratique et je vais envoyer ça à ma base. Sorti. T'as vu, c'est la folie, hein? J'ai capturé Flubber Patel. Et maintenant... Aucune alerte bonus d'XP. Nice. Donc voilà, il y a... Ça, c'est ma FOB. Et c'est... Ouais, deux secondes. C'est comme XCOM, tu peux construire des morceaux. Et il se passe des trucs. Genre là, il y a mes gens capturés. Et genre là, celui que je viens de capturer, il est là. Comme Trey, il a cannibale. Il peut manger un cadavre. Semelle renforcée. Sauter sur des objets tranchants n'inflige aucun dégât. Et chargeur percé, les armes à feu consomment munitions supplémentaires. Il a pas l'air ouf comme gars, hein. Donc je vais pas le convertir. Et infirmerie et tout, là il y a mes recherches. Alors, un jour restant pour avoir plus de ballons. Le truc c'est que je pouvais venir là et optimiser, je crois. Ouais, optimiser, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Eux ils bossent sur la recherche, je crois.
Cimetière. Ah oui. C'est vrai qu'il est mort, lui. Cause de décès, Fleuber Patel. Quoi? Il est là, Fleuber Patel? C'est pas lui qui l'a tué? En soit. Ouais, donc il y a des missions un peu partout comme ça, et voilà, c'est généré procéduralement et c'est rigolo. Et il y a une infinité d'objets aussi. Genre, tu récupères des chapeaux nécessaires pour la recherche. Donc, j'ai tout intérêt à pas utiliser mes livres, même si ça me protège peut-être des épées. Pareil, ne pas utiliser ça. En réserve. Ça, par contre, tout le monde s'en fout du chapeau sauteur. Ok, ça a l'air assez complet niveau progression. On va faire l'autre mission comme ça. Je vais envoyer mon MVP. Arc et flèche, donc j'en ai qu'un, donc je vais plutôt prendre ça. Non, c'était où? Ok, bon, bah tu vas prendre la mitraillette. Munition 8. Réflecteur toujours. À moins que. Ouais, c'est bien. C'est parti. Bonne chance, Georges. Oui, non, c'est bon, 4 sur 5. Push Wilkins. Wilkerson. Ah, oh. Il a un appareil photo. C'est le meilleur objet dans Spelunky, donc. Oh, ah. Ok, il m'a pas vu. Je crois. Donc lui, faut pas que je lui tire dessus. Est-ce qu'il a le réflecteur? Ah ouais, d'accord, on peut juste se soigner comme ça. Je sais pas exactement c'est quoi leur angle de vue par contre. Toi je veux te kidnapper. Et bim. Hop là. Easy. Je vais aussi prendre ça parce que je crois pas que j'en ai. Non? Bon bah. J'allais dire, il me reste un Fulton pour aller chercher un autre truc et puis bah je vais renvoyer ma mitraillette. Oh merde, il y a d'autres. Ah, j'ai eu plus de ballons. C'est quoi ça? Bouclier miroir. Parfait. Je suis intouchable. Finalement, c'est pas grave d'avoir renvoyé la mitraillette. T'es qui toi? Bonne chance, hein. Tu veux me tuer? Oh, tu regardes quoi là? Tu regardes à droite ou à gauche? Ton flingue il va à gauche. On dirait que tes yeux ils regardent à droite. Non, il me voit pas là. Mais je suis obligé de passer par là quand même. Oups. Oh bah j'ai cassé mon bouclier miroir. Pour la peine, je te capture. Je sais pas à quoi ils servent les livres. Parce que ça fait deux fois que quand j'essaye de sauter dessus, ça pousse ce que j'ai. C'est peut-être parce que. Crève. Merde, il va voir le. Ouais, c'est peut-être que quand. Ouais. C'est peut-être que quand t'as une arme de corps à corps, ça te la déséquipe. Quand tu sautes dessus. Elles me font un peu penser à aucune élimination. Oh là là. Il y a un bonus quand on tue personne. Elles me font un peu penser à
Eight Signature. Tout bip, trousse de secours en plus de PV. Incroyable. Parce que c'est rapide, il y a plein d'objets et tout. Maintenez le niveau de personnel minimum pour qu'elle reste active. Dans un casse royal. Pas l'air d'avoir le choix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai eu ma recherche. Recherche active. Je vais faire ça. Si j'enlève des gens de... Si j'enlève le personnel, je perds ma recherche active. Vous. Ouais, ou convertir. Oh là là. Armpit. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il peut voir les sons. Et il déclenche pas les pièges. Par contre, il fait du bruit. Il n'aime pas briser la nuque. Il pue et il panique. Ça a l'air d'être un bon gars. On va le convertir. Toi, je te connais ou pas? Ah bah c'est celui que je viens de. Regarde, ça peut toujours ramasser en mission. C'est nul. Par contre, toi, tu peux peut-être être utile. Je dirais que j'ai pas le choix. Ah, et là c'est marqué 3 étages. Donc faut que je m'en souvienne. J'ai pas essayé la mitraillette, mais j'imagine que ça marchait bien. Je vais la garder. Est-ce que j'ai autre chose ici? Il fait quoi lui? Peut-être quand on l'écrase. Ouais, bah ouais. On va rester comme ça, ça a bien marché, sauf que cette fois j'ai 5 ballons. Vous trouvez et dérobez le chapeau du savoir. Alors lui, il a une casserole. Et tout à l'heure j'avais une casserole, et quand j'ai sauté dedans, mon perso il est resté bloqué. Donc je vais éviter de lui sauter dessus, pour pas être bloqué dedans. Et là, ça a l'air d'être un niveau qui descend aussi. C'est la première fois qu'il y en a un comme ça, de ce que je vois. Ou alors toi, tu aurais bien avoir ton chapeau. Mais est-ce que ce serait pas un baril explosif? Si. Ah merde, c'est explosé le chapeau. Pas montré ça, mais je viens de lui briser la nuque. C'est le jeu au début, le tuto, c'est genre alors appuie sur A pour sauter et saute sur un ennemi pour l'assommer et appuie sur la gâchette pour lui briser la nuque. Oh, un caca. J'imagine que ça me fait puer. Là. Petit Fulton. Je vais aussi garder ça. De toute façon, je pense que la démo va s'arrêter après cette mission. Ok, coussin péteur. Et... Voilà. Donc là, si je... Je pouvais pas descendre l'échelle. Si je lui saute dessus, j'ai peur que ça alerte celui à gauche. On va tenter quand lui il est à droite. Ouais. À la
Comment je me débarrasse de... Merde. Je fais n'importe quoi. Rêve. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Appareil photo. Capture d'écran enregistré sur le bureau. Super. Bon, on va t'envoyer dans... Donne-moi le fusil à pompe. Ok. Qu'est-ce que... Ah. J'avais ça dans la première mission et je l'ai instantanément perdu. Tu ne me vois pas. Étage 3 sur 3. Oh, il y a une carapace de coupa sur la tête. Super. Le truc, c'est que si je l'explose, il va perdre son équipement, je pense. Puis j'imagine qu'il n'entend pas les bruits. Bim. Si j'ai fait. Merde, mais c'est pas vrai. Ah! Putain, je sais pas, merde. Mais non, mais stop! Ah! Ah! Vous l'avez cherché. Ah! Ah non, pas moi! C'est moi ou j'ai cassé ma couronne? J'ai complètement cassé ma couronne. Voilà. Ah non! Tout se passait si bien. J'avoue. Mais je voulais, en fait, je voulais Fulton la couronne, mais je pouvais pas parce qu'elle était considérée dans une boîte. Et j'ai Fulton un autre truc par accident. Bon, c'est pas grave, j'ai survécu, c'est le principal. Ah merde! Red? Très facile. Bon, allez. Est-ce qu'il y a quelque chose à essayer? Ça fait quoi? Ne sent pas la rose. Ok. Bloque jusqu'à 3 attaques. Bonne chance, George. Merde, j'ai pas. Ça a dit quoi? Notre objectif est d'éliminer tous les gardes. Bah, mon bouclier devait bloquer 3 attaques. Oh! Une baguette. Ah. Non mais c'est de la triche. Il a... Ah. Une flèche, arc. Ramasse. C'est chaud le gameplay action. Mais non, je veux... Je vais peut-être garder un pistolet plutôt. Hein. Baguette Fulton. J'ai quoi? J'ai 4 munitions. Pistolet est plein. J'ai plus que 2 points de vie. J'ai pas envie de perdre George. On va tenter de faire attention. Putain, il reflète les... Oh! Il a tué son pote. No!
Putain. Je pensais pas qu'il se retournerait. Georges. Georges. C'était censé être très facile. Ah non. Ah, il faut que j'achète le marché noir. Je suis en deuil, arrêtez ça. Bah oui, j'ai pas les fonds nécessaires, laisse-moi tranquille. Georges, tu portes Pluggy Farmer. Rip. Ah ouais, du coup... Lui, il s'était fait tuer par Flubber Pastel, et après je devais capturer Flubber Pastel. Ça se trouve, je vais avoir une mission pour capturer Pluggy Farmer, maintenant. Mission. Kidnapper. Pluggy Farmer, ouais. Donc ça aussi, c'est comme... c'est comme une signature. Ou alors, on peut dire que c'est un Nemesis System, hein. Ça marche aussi. Ouais, lui il est niveau 2 alors que lui il est niveau 1. Est-ce que je vais me venger? Je peux gagner 7 chapeaux sauteurs. Ok, je vais juste préparer l'offensive. Qu'est-ce qui se passe ici? Optimiser, voilà. Niveau 5 en recherche, je suppose. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, j'ai débloqué tout ça. Alors, les trousses de secours et les ballons trouvés ne disparaissent plus automatiquement. Ah oui, parce que quand tu les laisses traîner, ils disparaissent. Par contre, il faut un arc en plus. D'accord. Bande réduction. 3 ballons supplémentaires en mission. Ça c'est quoi? Ok. J'aime bien la manière de progresser qui est aussi avec les objets. C'est plus intéressant que d'avoir une monnaie spéciale, voire même plusieurs monnaies spéciales. Là c'est vraiment des ressources que tu choisis d'utiliser ou non. Ah oui, mais du coup j'ai pas le marché noir. J'allais dire je veux voir le marché noir, mais non, j'ai pas le marché noir parce qu'il coûte 300. Il coûte 300. Bon. Personne. On va lancer la mission. On va aller se venger. Qu'est-ce que tu fais toi déjà? Tu vois les sons, mais t'es pas discret. Parfait. Pleutre. Attends, c'est quoi ça? Tu peux pas briser les nuques? Non, quand l'ennemi l'aperçoit. Par contre, tu perds connaissance quand tu brises la nuque de quelqu'un. Très bien. Et ben, on va éviter de briser la nuque des gens. C'est un pistolet silencieux. Et... les arcs, ils m'en font un de plus. On va prendre un flingue. Voilà. Et comme chapeau, tu vas prendre... ça. D'accord. On voit effectivement les sons. Bon, je peux pas rebondir au plafond. Oh merde. Ah. Ah oui, c'est pratique ça. Ah. Pourquoi j'ai plus de mini... Donc mon perso, quand il panique, il panique vraiment. Il a tiré toutes ses munitions, il a sauté. Ok, c'est dangereux la panique. Merde. Je suis mort. Je
J'imagine Stan. C'est chaud. Donne-moi ça. Et puis il prend un coffre. Plus un ballon, super. Toujours pas celui que je dois tuer. Pas grave. Fusil à pompe. Pistolet. On va le pistolet. Je vais récupérer les bouquins aussi, on sait jamais. Et là, il y avait un. Ok. Bon. J'ai un fusil à pompe, tout va bien se passer. Comment ça, étage 1 sur 1 ? Nappé à cet étage. Je l'ai loupé? Je l'ai tué? Non, j'aurais échoué si je l'avais tué. Ah oui, kidnappé. Oups. Bon, ça va être fun. On va essayer de... Non, mon argent. Et un flingue. Bon bah, ça aurait pu être pire. Je pensais vraiment mourir à un moment. Mais ouais, on va peut-être plus le prendre en mission. Pas évident la panique. Ok, marché noir. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous pouvez acheter des objets et engager des employés ici. C'est quoi ça? Terminer des contrats pour recevoir des récompenses. Ok, donc on peut vendre des trucs... Quoi? Ah oui, donc là il veut 3 caca, mais je gagne 90. Ok. Boomerang. Les employés. Ok, ok, intéressant, intéressant. On va soigner... non, on va soigner personne parce que j'ai pas la thune pour... Tenter vite fait de récupérer mon morceau de carte. C'est encore un raid. Récompense 2 employés. Donc pas de fois déjà, clairement. C'est quoi, c'est ça la panique? Ok. Donc on évite ce truc. Est-ce qu'il y en a un qui est fort avec les armes? En portant des charges lourdes, panique après avoir bisé la nuque, aspirant de la fumée, insensible au gel. Pas évident tout ça. Hein. Des objets inanimés, non mais franchement, on va prendre existential pots. Non, en vrai, c'est... Je pense que... Mal de dos? Ah oui, ok. En vrai, je pense que... Ça se serait arrêté si j'avais pas foiré la mission juste avant. Là. Ok, éliminons
sont des ennemis. Non mais... Ah, il est mort. Ok, bah, je vais mourir. Je pensais que ma carapace, elle me protégerait. Bon. Je suis mauvais. Voilà. Je suis mauvais. Mais comme une signature, du coup, j'imagine qu'il y a moyen de faire des missions faciles. Voilà, c'est juste kidnapper. Il y a peut-être moyen. Relativement facile. Je sais pas, je dois vraiment être mauvais pour les phases d'action parce que dites que c'est facile. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est mon perso qui fait ça? Cligne des yeux tout le temps. Oh merde. Oh là là, il peut pas viser en haut. Non mais franchement. Ça a réduit la musique. Je peux pas... Franchement, ouais, y a énormément d'idées rigolotes. Ah oui, d'accord. Le chapeau, tu peux le pot. Sérieusement. C'est vraiment Spelunky, ça. Le chapeau, tu peux le poser par terre, du coup, pour l'utiliser comme tremplin. J'avais pas pensé à ça, en fait. Mais oui, c'est pas bête. Faisable, voilà. On va te tuer. Oh merde. Pourquoi tu... C'est quoi le bordel? Pourquoi il y a des pics là-dessus? Toi, hop. Pareil le boomerang. Ça c'était lâche, mais je le boomerang aussi, voilà. Le mot de la vie. Là c'est un piège, je sais que c'est un piège. Grâce à vos lunettes high-tech, les objets requis pour les recherches... D'accord. C'est pour ça qu'ils brillent. Voilà, ça paye bien ça au moins. Ah yes. Super. J'aime bien parce que c'est ni négatif ni positif ça. C'est juste jaune. Oh, bah, ça va être mon nouveau main on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici? Contrat quotidien. Ah. Bumtron Hernandez a rejoint l'équipe. Bienvenue à lui. Ah, j'ai deux Bumtron. Qu'est-ce qu'il fait lui? Le monde se déplace jamais de 5 fois plus vite. Connaissance deux fois plus lentement. Connaissance après avoir opéré la nuque. Ah non, c'est encore quelqu'un qui va être injouable ça.
Bon. Bon. Je suis passé ici. Voir s'il y a autre chose, non, on dirait pas, de toute façon je suis pauvre. Ici, voler la couronne. Pourquoi? C'était qui mon perso? Il est où avec son... Ah mais il est... Mais non. Tu dois être mon... Oui. Et du coup, il faut que j'affecte quelqu'un d'autre à... Allez, Hernandez. Affectation, recherche. Voilà. Mais du coup, je suis plus niveau 5, je crois. Si, bon, c'est pas grave. Bon. Winky Gates. Peut-être un meilleur chapeau. Tu fais quoi, ça? C'est grand pour contenir un corps. J'ai gardé ça, peut-être que ça va aider. Ah oui, c'est vrai que c'est en sous-sol. Ça, c'est un piège, ça. Je sais que c'est un piège. Non, tu ne me vois pas. Toi, t'es mort. Quoi? Mais non! Je crois que je puisse brûler la nuque de quelqu'un. Oh mais non, mais je veux pas de... Je suis sûr qu'on a besoin de ça. Hop. Ok, ça c'est fait. Alors toi, je sais que si je te saute dessus... Je meurs, donc on va te tuer comme ça. Voilà. Enfin, je meurs, je prends des dégâts. Là, je n'en ai pas besoin, mais c'est pas grave. Lui, il est dangereux. Je sais pas ce qui s'est passé, juste pour rien. Caméra, hop là. Hop, capture. Alors toi. Merde, je n'avais pas pensé à ça. C'est pas grave. Je garde un Fulton pour l'objectif. Toi, je vais me faufiler derrière. Ok, je peux pas. Non, fuis. 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 Yassos. Ok, donc la couronne, il faut obligatoirement l'avoir sur sa tête. Détail important. Chapeau du savoir. Ah, ça devient un assassin. Ah oui, l'histoire du jeu, c'est que tu joues une société de livraison et le gars, là, Mr. Sun, il se fait voler son colis, et du coup comme la livraison est garantie, tu t'installes dans son sous-sol pour faire une base et pour aller récupérer son colis en tuant tout le monde. Ceci en bas. Vous devez construire un hall d'expo pour conserver le chapeau magique.
Service d'expansion. Recherche. Ah oui, on peut avoir plus de personnes en recherche du coup pour augmenter le niveau de recherche. Avoir plus de personnel. Qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus? Je devais avoir un niveau d'expansion de 1 pour augmenter. Du coup, il faut affecter. Oui, non, ça ira, ça coûte assez cher comme ça. Si je fais affecter. Alors, par exemple, toi. Ah, quand ils sont blessés, ils peuvent pas bosser. Voilà l'expansion. Est-ce que mon expansion est niveau 1? Oui. Et du coup, maintenant, je peux dire bim. On augmente la capacité de recherche. Ok. C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe si ils sont plus? Oui, effectivement. Ah non, c'est une urgence. Je voulais arrêter. Quoi? Ils m'ont pris mon perso. C'est la dernière que je fais par contre. Ok, bon. Toi, tu briseras pas de nuque. Il est où le shotgun? Shotgun. Permet de voler lentement. Pourquoi il y a un document dessus? Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être ceux qui ont des. Bah non, parce que toi t'as une fonction aussi. Bon, c'est pas grave, on va garder ça. En fait, je me demande ce que c'est les missions difficiles. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va net. Ça, ça sert à rien. Sauvetage. Ok, comment on fait? Ouvrir. Ok. Oups. La vache. Je sais pas ce que c'était. Il m'a fait peur. Oh. C'était ça, du coup. Ouh! Attention au piège. C'est bon, on va sauver Winky Gates. Ok. Bon, bah, c'est très cool. C'est très très cool. Je m'attendais pas à un truc aussi sympa. Parce que j'ai vu des gens en parler en bien et tout. Je crois qu'il était dans le poste de Rock Paper Shotgun. Sur les 16 démos machin là. Et je pensais que ce serait plus. Genre un roguelike classique ou quoi, mais non, c'est vraiment malin. Et pour une fois, c'est un système de progression qui a l'air plus intéressant que juste augmenter des niveaux et tout ça. Ah oui, il y a tout un côté multi aussi. Il y a l'air d'y avoir un mode de combat jusqu'à 4. Type Duck Game un peu. Et il y a de la coop a priori aussi. Donc, ouais, clairement, bim, wishlist. C'est fait par Kennison. C'est édité par Raw Fury. Bon. Kennison, qu'est-ce que c'est ici? Yokai Speak. C'est un. Yankai Speak, pardon.
C'est un puzzle game, Twinfold aussi. Eh mais, je pensais que ça existait que sur mobile, ça, Twinfold. Et Circa Infinity, c'est tous des jeux assez connus, ça. Bref, je suis étonné de ne pas en avoir plus entendu parler du coup, parce que j'ai peut-être vu l'annonce il y a un moment, en y repensant, mais ouais, j'avais complètement zappé ce jeu. Content d'avoir fait la démo en tout cas. Non, je crois pas qu'il y ait d'invasion par contre pour le multi. Ça serait un peu trop impressionnant, je pense. Ouais, c'était très bien. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que là, j'ai passé 1 heure là-dessus. Sais pas, genre un truc de. Petit truc tranquille là. Blood of Bonky, qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air d'être un peu l'angoisse. J'ai pas genre un puzzle game qui est tranquille, où il se passe rien. Finis, ça a l'air un peu bizarre là. Je le sens moyen. J'ai un peu peur de le lancer. Je crois que je vais lancer Delta Tail. C'est un espèce de puzzle golf. Finis, c'est genre un. J'ai l'impression que c'est un truc à la première personne. Plus basé sur l'ambiance et tout. Je sais pas, j'ai vu un morceau du trailer la dernière fois et je me suis dit, oula, pourquoi j'ai ajouté ça à ma liste? Donc je l'essayerai, mais pas tout de suite. Donc j'ai dit Delta Tail. Delta Tail. Hop. Je sens que ça, c'est une démo qui va prendre 10 minutes. Dire ah ouais c'est sympa et voilà, je pourrais lancer un truc un peu plus gros pour après. Faut que je le capture par contre. Pour l'instant c'est blanc. 26%, 89%. J'aime bien le menu. Shoreline Windswapping, ok. Launchpad? Comment? Enter. Oula, du calme. On va move with WASD. Reset with R. Undo with Z. C'est où Z? Là. Ok, on peut rebind. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai gagné. C'est quoi cette ligne là? Ah oui, d'accord. Oui, ok. Ok, ça y est, je me souviens. J'ai vu le. Donc là, j'ai. Là, c'est là où je suis. Je fais un L. Et là, voilà, ma souris, elle se déplace, ça fait un L. Et si je clique là-dessus, le bloc, il va aller à l'endroit où ma balle allait. Relativement. Bim. Ça a fait un L. J'aime bien le style visuel. Il y a un espèce de grain qui bouge, mais c'est pas dégueulasse. On peut pas swap la balle. La fin et les identical blocks. Comment ça? Ah oui, c'est deux fois le même bloc, donc ça marche pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un mur? Je comprends pas ce que je vois.
fais ça. Non. Si. Ok. C'est un peu bizarre visuellement quand même. Oh non, mais faites pas ça. Reviens. Ce que je voulais. Derrière moi, donc il faut un déplacement de 2. Mais s'il y a un déplacement de 2, ça veut dire que t'es comme ça. Mais du coup, là, je suis bloqué. Je peux pas aller vers le haut, je peux pas aller vers le bas. Bon, au moins, le compteur de mouvement. Enfin, c'est pas un compteur de mouvement, c'est un compteur de swap. Ça veut dire que je peux me déplacer à volonté. Juste, il faut que je réfléchisse au moment où j'inverse quelque chose. Est-ce que si je fais ça. Ça et maintenant ça comme ça, ok. Pourquoi pas de... ah. Et d'accord, la ligne elle apparaît que quand je suis dans le dans l'écran. Faire des trucs absolument pas optimaux. C'était plus simple. Quatre swaps. Parce qu'il y a la balle. Là. J'inverse E. Ici en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a paru logique. D'accord, c'est un trou. C'est pas super clair ça par contre. Les endroits où il y a des trous ou les murs. Cancel les swaps.
sens le premier. Ça. Et là, peu importe. Okay. Est-ce que je peux revoir la map, s'il vous plaît? Verticale comme ça, en faisant ça. Maintenant, faut que je vienne là. Ça, il faut que je fasse autre chose avec. Ah oui, je peux faire ça en fait. Et là, il me faut deux de verticales, mais maintenant, je dois être de l'autre côté. Ok, donc, on reprend. Toi, tu viens là. Maintenant, je suis ici. Et l'abîme 3. Ok. Ça commence à rentrer. Ah! Donc là, il faut faire qu'un seul swap pour qu'il soit content. Ah oui, d'accord. Il est rigolo ce niveau. Hop. Mais par contre. Pour un jeu qui veut que tu optimises des niveaux, ce serait pas mal de pouvoir revenir sur la map plus facilement, quoi. Bon, et toi, c'est quoi? Deux swaps. Donc, ce que je veux, c'est ça. Okay. Super. Est-ce que c'est un niveau spécial B? 14. À l'aide. Non. Il suffit de faire ça un par un, hein. Hop. Encore un en bas. Toi, tu dégages. Hop, hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Comment j'ai fait avant? Plus bas. Il y a peut-être moyen de... Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire une ligne de 3. Parce que ce serait quand même pratique.
Bon. Et c'était pas fameux. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une lampe? Ah, j'ai gagné un morceau de la fusée. Il y a vraiment 20 niveaux dans la démo? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Quoi? Est-ce qu'on peut l'échanger, lui? Oui. Ok, donc, comme... Si je fais ça, je peux passer derrière, mais je peux pas passer derrière ça. Là, je peux juste me déplacer en haut ou en bas. Hein? Ok. C'est un peu bizarre. Aller à gauche. Ça fait DL, je peux pas faire grand chose avec. Toi, tu peux venir là, mais du coup, ça va me pousser dans le vide, donc il faut que je vienne là. J'ai un grand L. Je vais mettre lui ici, mais ça va me mettre dans le vide. Je vais mettre lui ici, je sais pas à quoi ça sert. Ça. Comme ça, le vent continue et il rebondit plus dans tous les sens. C'est bizarre parce qu'on dirait complètement un autre jeu. Mais c'est intéressant. C'est bizarre. Cinq swaps. Je suis mort. Là, je fais un L. Là, il n'y a plus de vent. À faire n'importe quoi. On peut pas annuler un reset de niveau. Dommage. Dégage-toi. Qu'est-ce que je suis censé faire avec eux? Ça. Je sais pas pourquoi je suis parti en haute terre. Il me faut toute la distance.
pouvoir bouger lui. Comment c'est possible? Ok, comme ça. Non, parce qu'il me manque encore. Hein. Faut que j'alterne une fois de plus. Il doit y avoir une combinaison qui passe. Voilà, je refais la même chose. Et si je fais deux, il voudra pas. Par contre, je peux faire ça ici. Ok, je sais. Non, je peux pas inverser deux blocs identiques. Ils l'ont dit pourtant. Et là, je me retrouve bloqué et je peux plus bouger. Ah, mais ça me repousse. Ça ne m'avance pas. Ouais, je sais pas. On peut pas avoir d'autres niveaux? Oh, c'est dommage. C'est dommage, j'aime pas ce niveau là, j'aime pas être bloqué sur ce niveau, il est pas bien ce niveau. Je reviendrai peut-être dans mon coin. C'est bizarre, c'est un concept intéressant, mais j'ai l'impression que c'est... Yeah. Il y a un truc qui cloche. C'est Delta Tail. Ah oui, du coup, Delta parce que c'est la différence de mouvement. Par Rare Toad Studio. Qui a fait Socoramp aussi. Qu'est-ce que c'est que Socoramp? C'est aussi une balle qui doit aller dans un trou. Qui déplace des blocs. Et il y a des blocs, c'est des rampes, et des blocs, c'est des plateformes. Donc c'est... Le principe, c'est de se créer un chemin. C'était pas aussi joli. Mais je la désinstalle pas, du coup, celle-là.